Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Black Myth Wukong. Et pendant que je parle, on va se téléporter tout de suite dans la montagne du vent noir et aller voir le marchand pour améliorer notre gourde. Alors, épisode précédent, là, on continue encore à explorer le désert qui est très grand. Hein. J'ai l'impression que je dis pareil à chaque résumé de vidéo sur on explorait le désert. Oui, bah oui, parce que c'est assez grand, mine de rien. Et en fait, c'est assez grand, mais c'est assez couloir, en fait, si vous voulez. Du coup, on a encore débloqué plein de trucs, on a affronté des boss encore. Notamment, ouais, le tigre qu'on a défoncé, et puis on a affronté son élève, je crois, également sur un pont. C'était pas mal, et là, on a fait la quête du facochère, et ça a l'air de nous mener derrière une énorme porte que j'avais déjà vue avant, mais que j'avais pas pu aller au-delà, et là, maintenant, on peut, donc on a dû l'affronter. Et là, il s'est barré de l'autre côté, donc on va voir ce que ça donne, mais je suis sûr que c'est une quête annexe, ça. Améliorer les gourdes, ouais, bien sûr. Ah putain, il en faut deux après, c'est chiant. Ok. J'ai pas de verre, ok. Mais ma gourde, elle change de skin à chaque truc, donc c'est trop drôle, quoi. Allez, hop. On voyage. On va aller au plateau. Oh, tranquille. Hop là, let's go. Bon, par contre, si je suis déjà en mauvais état avant le combat, ça va pas le faire. Allez. J'ai du mal à l'affronter, lui. Bon, cette porte là-bas, donc j'avais fait le truc avec le facochère qui était ici. Hein, donc voilà, on a fait sa quête, on l'a aidé, on a dû l'aider plein de fois d'ailleurs, même. Maintenant, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Hein. Je pense que c'est secret vu que c'est lié à une quête quoi, donc c'est sûrement secret. Waouh la vache! Mais ça, c'est annexe, c'est incroyable, quoi. Ah, je vais me TP comme au premier endroit, quoi. D'accord, il y a des zones secrètes à chaque fois, c'est ouf. Ah, le boss de Zinzin que je vais me taper, là.
Ivoine vous a dit qu'il y avait de l'or ici. Est-ce que vous le croyez? Putain, les succès sont trop bien, on dirait des proverbes chinois en fait, ça me fume. C'est incroyable, tous les succès c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je vais me taper moi? Putain. Déjà j'ai tout. On a un hôtel, ce qui est pas forcément rassurant. On va voir comment on se démerde. Encore un tigre. Fais chier. Allez, dégage. Dans l'enfoiré. Il a bileté sur moi, ce connard. C'était cool ce boss aussi. Oh, je t'ai défoncé lui. Ah, c'est un bibelot. Attendez, il me donne un bibelot lui, ça a l'air ouf. Après des coups avec le combo d'attaque légère augmente même mon attaque pendant une courte période, c'est pas mal. Je vais peut-être virer les coups critiques, du coup je vais mettre ça. Hein. Ouais, c'est bon. Était cool ce boss. J'ai peut-être me reposer avant, non? Je crois qu'on va faire ça, hein. On va récupérer. Ah, merci. Allez, on continue du coup. Royaume de Sali, putain, c'est incroyable. Si c'est annexe ça, mais c'est ouf. Ça me fume, je vous jure. Comment récompenser l'exploration? Tu récompenses ce joueur comme ça, tu lui offres une zone comme ça, quoi, voilà. Parfait. Oh, le gros tambour là-bas.
nœud de la vacuité. Bête de la crête d'or, je sais pas ce que c'est. Non, non, non. Non, 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 putain. C'est pas ce que je voulais, sa mère. Ah non. Putain, allez, je vais utiliser l'objet qui me permet de me barrer, là. Allez, ouais, c'est bon, ça saoule, allez. Je pensais pas qu'on allait se péter la gueule, putain, ça casse les couilles. Pas ce que je voulais. Voilà. Secret royaume de Sally, ouais, c'est marqué secret. Donc c'est bien secret, c'est bien une zone secrète, c'est ouf. Bravo les gars. Y'a rien à dire. Et la zone est immense en fait, c'est ça le problème, c'est trop grand quoi. Ah, y'a l'hôtel là-bas, je vais le prendre. Avant d'être dans la sauce. Allez, on va explorer ce désert maintenant. Putain, trop bien. Désert immense, mais est-ce que c'est pas grand pour rien? Comme on l'avait vu dans Elden Ring, hein, avec les bouts abyssaux hein, qui servent à rien. Je vous jure. Y'a rien. Ça parce que j'ai pas envie de tomber, hein, comme un sgeg. Oh putain, on peut méditer, parfait. Super joli, hein. Oh, incroyable. Et une étincelle, une. J'aurais espéré qu'on ait un mur invisible ici, vous voyez, mais non. Apparemment, va falloir que je reprenne une téléportation parce que c'est trop grand en fait pour explorer. Et comme je le sens pas du tout le terrain de sable là, je sens que je vais me prendre un boss sur le coin du nez là. Ça me vend pas plus de rêve que ça, faut d'abord que j'aille parler au mec là avec le tambour là. Sauf que je vais là-bas avant. Super grand, c'est super beau. Mais ça sent le combat de boss. Et j'ai pas envie. Pas avant d'avoir parlé au PNJ, en fait, si vous voulez. On reviendra là, hein, y a pas de souci. J'essaie de faire en sorte de pas... m'embarquer dans je sais pas trop quoi, là. Je maximise mon exploration au maximum.
Et lui, il est là, oui. Y'a quoi là-bas? Parce que j'y suis pas allé, hein. Un coffre pas ouvert, c'est cocasse ça. Allez, on l'ouvre. Noyau mental. D'accord, très bien, bon, y a rien d'autre. Bon, on va aller parler au roi, je pense, hein, du coup. Allez, c'est parti, hein. J'ai profité d'une zone ouverte, là on n'a pas vu qu'il y ait des zones ouvertes comme ça dans le jeu, donc écoutez, là j'en ai profité, hein. Là pour le coup on se croirait vraiment libre, quoi. Putain, il est immense l'enfoiré. On va se battre contre le scarabée là, c'est ça? Il va être immense l'enfoiré. Donc voilà, le scarabée de merde là, putain. Ça va être un délire. Et je le rappelle les amis, ça c'est annexe. Le Fouban. Il est immense l'enfoiré. Ouais monsieur. Let's go. J'ai peur. Immense enfoiré.
Ah oh, bâtard, il a fait un aller-retour, il en a jamais fait. Ah. Oh. Ah mais quelle arnaque hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? D'accord. Il m'a touché, mais c'est pas vrai. Il se passe quoi là? Dépêche de le faire sortir, s'il te plaît. Faut que je grimpe sur son dos, là. Hein. Yes, ça. Ah, on va se le faire, cet enfoiré. Let's go. Ouah, mais putain, oh! Mais c'est... il est trop... c'est trop chiant! Sa mère, pris une tornade là! D'accord, ok. Bam! Bam! Voilà, on l'a dégommé là. Allez, c'est bon. Le scarabée répond toujours à l'appel du tambour, d'accord, ok. C'est un proverbe à la con. Putain, le combat de malade! J'ai kiffé! Il est super balèze lui aussi. Oh la cinématique de zinzin. Ouais, c'est bon, il est mort. Hein. Non, c'était ouf. Putain.
Ah, du coup, j'ai pas pu explorer le reste du désert, quoi. Je le ferai hors caméra. Brave Jean, je vous dirai si j'ai trouvé un truc. Me plie au commandement de Bouddha, par exemple, le gouaille du vent jaune se soumettra. Dompteur du vent, un artefact, carrément. Camp perce ciel, matériaux. Ah, oh, j'ai ramassé des trucs de ouf, là. Une fois activé, augmente fortement la réduction de dégâts pendant la courte période et confère une immunité contre les vents violents. Très efficace pour certains. Mais c'est trop bien, je vais le prendre. Ça sera utile contre le boss, je pense. De la zone, parce qu'à mon avis, voilà. Cette corne qui creuse la terre confère à son espèce la capacité de prospérer en tout lieu. C'est la fabrication d'armes. Fabrication d'armes, ah putain. Allez, let's go. Oh, le truc de dingue. Et c'était secret, ça, putain. Mon dieu de... J'ai pas les mots, brave Jean. C'était trop bien. Allez, maintenant, on va retourner au jeu de base. On entend mon pote gueuler, là. Enfin, chanter. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'affronter un scarabée géant. Dégage. Allez. Une armure carrément. Je peux fabriquer sa panoplie, sérieux, confirme quand t'es conscient de contention, prenant un remède, augmente monétairement la durée de tous les effets du remède. Non, je l'ai pas en... Ouais, je l'ai en... Putain, c'est une armure de zinzin en plus, hein. Ah, il faut des feuilles de fer froid. Ok, pour la faire, ok. Et j'en ai que deux, en fait. Et celle que j'ai, c'est 14, ouais, ça augmente de 4 la protection quand même, c'est ouf, hein. Et ouais, c'est super beau. On va se les garder pour l'instant. Et une arme. Ah, j'ai pas le truc pour faire une arme, ok. Bon, on verra peut-être le schéma plus tard, je sais pas. On a combien de temps de vidéo avec ces bêtises? Parce que mine de rien, c'était un gros morceau, hein. Ouais, presque à la demi-heure. Écoutez, c'est quoi? Je vais faire une vidéo un peu plus courte parce qu'on va se garder cette zone secrète pour cette vidéo-là, du coup. Et la prochaine vidéo, on essaiera d'aller voir ce qu'il y a dans la tornade. Et je vais en profiter pour retourner voir au désert, voir si j'ai rien raté dans le désert. Je vous dirai ça dans la vidéo suivante, voilà. Allez, je vous fais des bisous à la prochaine. Pensez à vous abonner, liker, vous connaissez la chanson. Des bisous, partout bien, salutations. We'll be right back.